Je suis Sourabi Zaou-Gervais, mon sobriquet c'est ZS. Et le nom de ma discothèque c'est ZS Musique, la discothèque nationale. Je suis à Boboka, sans manquer, père de 6 enfants. Et j'habite en Grèce, je suis pasteur évangélique et je suis disqué depuis 1989. Actuellement, puisque Touré BTS, qui est le président statutaire du Synaxi, est allé en Europe depuis 2002, j'assume l'intérim de la présidence à la tête du Synaxi que je dirige. Pouvez-vous nous parler de vos activités, les activités syndicales? Oui, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Vous savez, pour diriger un syndicat, ce n'est pas une mince affaire. Il faut donc aller tout doucement, mais sûrement. Nous avons déjà fait beaucoup de choses. Nous sommes partis au Burida, on a discuté avec les agents du Burida sur beaucoup de problèmes qui minent notre secteur d'activité. Plusieurs fois, ils nous ont écoutés. Nous sommes partis à la télévision, à la RTI. Et le président Touré BTS est venu pour la circonstance de Paris. Nous sommes sortis à midi première et jusque-là, chaque jeudi, nous avons des rencontres avec les disquaires pour avancer, toujours pour avoir un gain de cause en ce qui concerne les difficultés qui nous menacent. Vous disiez que gérer un syndicat, ce n'est pas facile. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Franchement, aujourd'hui, le disquaire est devenu un bouc émissaire. Nous souffrons véritablement, mais nous fermons la bouche là-dessus. Parce que le piratage des yeux de l'esprit est devenu une affaire vraiment qui nous fouette véritablement. Mais il faut le dire, parce qu'à l'époque, c'est les disquaires qui constituaient tout. Parce qu'en même temps, on distribuait, on fait la publicité gratuite des musiciens de Côte d'Ivoire. On était des producteurs, on nous voyait partout. Mais aujourd'hui, rien ne va. Avec la piraterie, j'appelle ça la piraterie moderne. Les gens sont assis dans des lieux névralgiques. Ils vendent des CD comme ça et nos clients ne nous parviennent plus. Nous avons vraiment des problèmes en ce qui concerne la vente des CD, des cassettes, des consoles. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez en pourparler avec le Burida. Peut-on savoir le mobile de pourparler? Il y a plusieurs problèmes, mais on voulait aller tout doucement. D'abord, la redevance de l'auteur. On ne peut pas nous permettre de payer une redevance. Le Burida, ils ont leur raison parce qu'ils gèrent la musique. Le Burida constitue l'organe supérieur. C'est lui qui gère tout, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui a la tête. Et donc, on nous exige de payer 10 000 francs par mois en tant que disquaire. Nous disons non, nous ne pouvons pas vraiment payer ces 10 000 francs parce qu'on a nos raisons. C'est eux qui devaient lutter contre la piraterie. Ils ont mal fait le travail aujourd'hui, la piraterie est de monnaie courante. Et en même temps que nous ne vendons plus, on ne sait plus si il faut vendre les CD, on ne peut plus vendre les CD, on ne peut plus vendre les cassettes, on ne vend rien. On attend, c'est les petites animations de 15 000 francs que nous faisons dans les quartiers et on nous fait payer les 10 000 francs par mois, c'est pas possible. Nous leur avons demandé de revoir à la baisse ce montant. Ils nous ont dit qu'ils allaient voir ça, de nous rassembler. C'est ce que nous sommes en train de faire. Actuellement, quelles sont les activités du syndicat? Les activités vont bon train, tout va mieux. Chaque jeudi, nous rencontrons à côté de on a un siège provisoire situé tout juste au centre d'action culturelle à Boboka. Nous retrouvons tout juste pour discuter, pour élaborer un programme d'action à court terme, à moyen terme et à long terme. Quels sont vos projets à court, moyen et long terme? À court terme déjà, il faut aller se faire voir. Il y a un adage qui dit au pays des tentants, les plus forts sont ceux qui font le plus de bruit. Nous voulons faire un peu de tapage pour qu'on sente que le Synaxi est là, qu'il est vivant. Donc il faut aller un peu partout, voir les instances comme le Burida. Si les maisons de pressa, il faut aller voir les maisons de pressa au ministère de la Culture. Nous sommes en train de voir. Il faut aussi envoyer des missions de sensibilisation d'information à l'intérieur du pays. Et donc, nous sommes en phase d'information et de sensibilisation. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, il faut, n'est-ce pas, signifier au disque que le piratage des œufs de l'esprit n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Voilà, et on la crainte de Dieu, ce n'est pas bien de pirater. Il faut les former pour la circonstance. Il faut aussi les former, comme tout à l'heure je viens de vous dire, mais aussi dans le sens d'une bonne animation. Parce qu'aujourd'hui, avec la rénovation, l'évolution de la science et de la technologie, il y a des nouveaux appareils qui viennent. Il faut savoir les manipuler pour qu'on ait un bon son. Parce que nous voulons être les leaders sur le terrain. Aujourd'hui, n'importe qui se lève pour dire « je suis animateur ». Il y a les animateurs derrière les arrière-maisons. Ceux qui viennent, ce sont eux qui cassent les prix. Nous ne sommes pas d'accord. Et à long terme, nous voulons avoir un siège social à la hauteur du Synaxi, qui est un syndicat national, toute la Côte d'Ivoire, et qui est l'unique syndicat qui rassemble tous les animateurs, les disquaires, les discomobiles. Et aussi, il faut avoir aussi un cabinet juridique
et un avocat pour la circonstance de défendre nos causes. Selon vous, il y a des disquaires du coin des rues qui cassent les prix, qui diminuent même les montants de l'animation. Alors pour cela, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous avez un message à leur lancer? Oui, la question est bien posée, c'est bien beau, c'est ce que nous voulons faire. C'est pour ça, c'est l'objectif principal même du syndicat. Il faut rassembler, changer les mentalités des gens. Il ne faut pas aller par la brutalité. Le Burida même qui est une institution supérieure, le Burida n'a pas pu. Il a lutté, il a voulu aller avec la force. Mais aujourd'hui, le Burida n'a pas pu. Il faut aller tout doucement. On dit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il faut prendre des mesures exceptionnelles tout en les rapprochant, en leur disant la vérité. Pour leur dire que désormais, voilà ce qu'on veut. En les ramenant à la raison. Ils veulent bien faire les portes à cassette. C'est-à-dire installer tous les revendeurs de rue, maintenant légalement, avoir un numéro matricule. Donc notre objectif, c'est de recenser tous les disquaires de Côte d'Ivoire pour que chacun ait un numéro matricule pour la circonstance, un numéro matricule d'identification, pour qu'on sache qui est qui n'est pas qui, quels sont nos problèmes. Car il faut se rapprocher, on dit pour pouvoir faire comprendre les autres, il faut se mêler à eux. C'est ce que nous avons dit. Et donc c'est ce que nous voulons faire. Il faut leur dire que non, les prix, on va homologuer les prix désormais des animations. Si c'est une animation, un mariage ou un baptême, même pas de fin d'année, on va homologuer les prix et que chacun respecte cela. Que tout contrevenant à cet appel ne fera pas part de notre effectif légal. Certains ont adhéré au syndicat, oui. D'autres n'ont pas encore adhéré. Quel message lancez-vous à ceux qui sont, je dirais, réfractaires, qui ne veulent pas adhérer ou bien qui n'ont pas entendu parler? Oui. Je dirais à ceux qui n'adhèrent pas, qui sont réfractaires, des dissidents, je leur dirais, venez, rentrez dans la République. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Nous travaillons, nous luttons pour tout le monde, pour la cause de tout le monde. Pour que désormais, la commercialisation, la vente des cassettes et des CD reviennent aux seuls vendeurs des disquets que nous sommes. Nous leur prions, nous leur demandons pardon de venir de rentrer dans la République et que de faire fi à toutes sortes de murmures, de venir écouter, de venir aux réunions de jeudi à Beauregard, qui nous appellent sur les numéros qui sont affichés afin de pouvoir, n'est-ce pas, comprendre le fondement même de notre lutte. Cette lutte, c'est pour nous tous, pour qu'on puisse ici. On a besoin d'un bureau exécutif de 50 personnes. Il n'y a pas, on a besoin des gens pour appartenir à ce bureau. On a besoin d'un bureau national de 100 personnes. Ben c'est toute la Côte d'Ivoire. Qu'ils soient là, qu'on les écoute pour voir leurs préoccupations qu'on va prendre en charge. Je remercie Actu Life de m'avoir interviewé. Vraiment, je vous encourage pour ce que vous faites pour nous. Je crois que vous voulez vraiment apporter quelque chose pour nous qui avons des organisations comme le SINAPSI. Nous allons porter aussi ça à la connaissance de tous les disciples de Côte d'Ivoire parce que nous décidons désormais de travailler avec cette institution, avec cette structure.